Allez, c'est parti, regardons ces orgues. Alors, je vais grouper les orgues B3, M3 et C3 Hammond, car vous allez voir, ils ont les mêmes possibilités de réglage, même s'ils ont des sonorités différentes, dues au sampling, à l'échantillonnage effectué par Native Instruments. Alors, nous avons l'interface, ici, du B3. Vous voyez, du M3 et du C3. Je vais prendre le B3. Alors, nous avons des onglets avec, ici, une image avec l'interface, les réglages de l'orgue en lui-même, de l'ampli et des settings. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image, nous avons trois claviers. Un clavier en haut qu'on appelle upper, un clavier en dessous qu'on appelle lower, et un clavier au pied qui sont des pédales. Alors, vous voyez sur le clavier virtuel ici, on a des switches en rouge qui nous permettent tout simplement de passer d'un preset à un autre de l'orgue. Et on peut changer de preset comme ceci, avec ces touches en rouge que l'on appelle aussi des key switch. Je vous invite d'ailleurs à bien écouter ces presets, voire même comment ils sont construits. Cela peut vous donner des idées, ou cela peut être un point de départ pour créer vos propres presets. Ok, donc comme je vous le disais, sur l'image, on voit bien tout à gauche les touches en noir, eh bien, qui étaient sur les vrais orgues Hammond, ces fameuses key switch. Ensuite, dans l'onglet organes, eh bien, on va avoir différents réglages, les réglages du clavier du haut, upper, du clavier du bas, lower, et du clavier de pédale. Donc on a bien ici à droite upper, avec les tirettes, on va voir à quoi elles correspondent dans la suite du tutoriel. On a le clavier lower, donc le clavier du bas. Alors je vais me mettre en key split. Vous voyez, le clavier du bas, c'est les touches violettes. Clavier du haut, les touches bleues. Et on a toujours les touches rouges, qui sont les key switch pour changer de preset. Et vous allez me dire, où est-ce que se trouve eh bien le clavier, le pédalier? Il n'est pas caché, il se trouve ici, on clique sur pédale, et on a deux tirettes pour le clavier joué au pied. Ok, donc on va parler du coup, eh bien, du mode des key switch, avec le key split, le midi split, le upper et le lower, ici avec ce bouton. Alors en lower, eh bien vous voyez que on a accès uniquement au clavier du bas, sur toute l'étendue du clavier. En upper, eh bien c'est l'inverse, on a l'accès à tout le clavier du haut. En mode key split, eh bien comme je vous le disais, on split le clavier. Et là, on split le clavier avec les presets en rouge. Et d'ailleurs, ces presets, vous voyez qu'on peut les changer ici aussi. On en a 12. Ok, mais vous allez voir, il y a quelque chose de très intéressant avec le MIDI split. Alors, je vais vous montrer dans live, hein, vous pouvez prendre n'importe quel séquenceur, ça fonctionnera. Je vais créer deux pistes MIDI. Donc j'en ai déjà une avec Contact 5 dessus et le Vintage Organ B3 chargé. On est d'accord. Je vais passer ici en MIDI split. Et si l'on va dans les settings, dans les préférences, eh bien on voit ici MIDI channel, avec le channel 1 pour clavier upper, channel 2 lower et channel 3 pédale.
Eh bien, tout simplement, je vais attribuer à mes pistes, alors je vais l'appeler celle qui contient contact upper. Je vais renommer ma deuxième piste midi qui est pour l'instant vide, lower, et puis la troisième, pédale. Et maintenant, vous allez voir, c'est tout simple. Je vais dire à ma piste midi, eh bien, d'aller en midi 2 sur ma piste contenant contact et le B3. Elle s'appelle upper. Et ici, en canal, eh bien, je vais choisir le deuxième. Pour ma troisième piste midi, même démarche, upper, sauf que là, je vais choisir le canal numéro 3. Alors là, OK, ça marche pour le upper, la piste contenant mon Hammond, mais vous voyez que là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Tout d'abord, ici, dans l'interface de contact, je suis en MIDI channel 1. Il faut passer en Omni. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est qu'il va falloir activer des tirettes, vous voyez, pour le lower. Et quand je passe sur le mode pédale, en pré-enregistrement, eh bien, pareil, je vais activer les tirettes. Donc là, j'ai mon clavier pédalier, pédale. Ici, mon clavier lower, clavier du bas, généralement pour la main gauche. Et ici, mon clavier upper, pour la main droite, généralement. Donc ça, c'est vraiment très pratique. On va pouvoir dissocier les trois claviers sur des pistes séparées. Ça a vraiment un côté très intéressant. Ok, passons maintenant au réglage des tirettes. Dans cet onglet organe, on va pouvoir régler les sons également de notre orgue avec les tirettes ici. Alors, je vais les remettre complètement à zéro. On peut faire commande-clic pour les remettre. Alors, vous voyez, c'est pas très pratique. Elles vont d'abord vers le bas, puis ensuite elles remontent. Donc, c'est ce qui va générer nos sons d'orgue. En fait, ce sont des tirettes qui activent des roues sur les vrais modèles, bien sûr. Avec le 16 ici, eh bien, on a la fondamentale. Note fondamentale, puis l'harmonique suivante est la fondamentale, mais une octave au-dessus, avec 8. Alors, quelque chose à aller voir dans Settings, c'est dans le drawbar option. Vous voyez, si je joue un son et que j'actionne la tirette, il ne se passe rien. Il va falloir ici désactiver le mute inactive drawbars. Alors cela va consommer un peu plus de CPU, mais maintenant je peux jouer un son et dès que je bouge la tirette, eh bien j'ai en temps réel la modification. Avec le bouton mute activé, si vous voulez, il faut rejouer le son à chaque fois qu'on fait une manipulation de tirette. Voilà, troisième harmonique à l'octave supérieure, puis encore à l'octave supérieure. Et après, eh bien l'écran de ces tirettes sert à arriver à régler les volumes de ces harmoniques. Ah, donc chaque intervention sur les tirettes va modifier votre son. Ça, c'est pour les harmoniques, je dirais, de fondamentale, même si ce sont des harmoniques à l'octave supérieure, mais on a ici, par exemple, une harmonique de quinte. Toujours une harmonique de quinte, mais à l'octave supérieure. Là, harmonique de tierce majeure. Grâce à ces harmoniques, vraiment, on peut se créer un son très précis, un son que l'on souhaite, en jouant après sur les volumes de nos harmoniques.
ici, on peut vraiment affiner ces réglages. Alors, on aura bien sûr la possibilité du même procédé de tirette avec les volumes pour le deuxième clavier, le clavier lower, le clavier du bas, avec ici la fondamentale, quinte, à l'octave supérieure au niveau de la fondamentale. Hein, trois octaves. Et pour le clavier de pédale, là on n'a que deux tirettes. La tirette 16. Et la tirette 8, qui est l'octave supérieure de la fondamentale. Ici on verra, on peut attribuer des sorties. Voici pour ces réglages de tirettes. Continuons les explications de la page organe. On a vu les tirettes ainsi que la sélection des pédaliers, des claviers. Ici, on a le mode de vibrato. Alors, toujours pareil, pour l'entendre en temps réel, il faut se rendre dans les settings et bien penser à décocher Mute Inactive Drawbars. Et en fait, ici, on a l'action, si vous voulez, de la cabine Leslie. Alors, la cabine Leslie, hein, c'était cette cabine ici qui enfermait deux haut-parleurs et qui tournait sur un axe. Et ce qui produisait eh bien, cette impression de vibrato. Et on a slow. Ou fast, rapide. On peut activer le vibrato pour le clavier upper, le clavier du haut. Et pour le lower, le clavier du bas. Et nous avons V1 pour vitesse 1. V2 pour vitesse 2, V3 pour vitesse 3. Et C1, C2 et C3 sont du chorus. Ici, nous avons vu, c'est la sélection des presets, mais pas seulement, on va aussi pouvoir sauvegarder ces presets. Donc vous faites vos réglages et vous cliquez sur Save en sélectionnant la bonne key switch, ici. Et là, on active ou désactive la partie key switch. Donc si on voulait ne pas avoir par erreur touché une key switch en live, par exemple, eh bien on peut le désactiver directement d'ici. Enfin, nous avons ici le bruit des percussions. Alors, ce qu'il faut faire, par exemple, pour mon clavier upper, donc là, je n'ai pas du tout de son. Vous voyez ? Et là, j'actionne mes percussions. Donc ça, c'est le bruit produit par ces fameuses percussions. On a le choix en soft ou normal. En slow. Ou en fast, c'est le déclin du son. Et en harmonique, seconde. Donc seconde, ça correspond à l'octave, et quinte. Enfin, nous avons un bouton ici swell, qui va contrôler, vous voyez, un volume.
pour le clavier M3 et C3, ce sera la même chose, sauf que pour le M3, il me semble, il n'y a pas autant de tirettes pour le lower manual et il n'y a pas de pédale. Passons maintenant à la troisième page, la page Amp, qui va concerner la section d'amplificateur cabine Leslie. Comme je vous le disais, on a l'orgue et relié à sa cabine ici avec des rotors et des haut-parleurs qui bougent suivant un axe. Donc là, il faut savoir qu'un orgue, un vrai orgue, n'a pas de vélocité. En fait, ce qui règle le volume, c'est ce qu'on avait vu ici. Le swell. Je crois qu'on l'a sur le graphique. Voilà, c'est la pédale ici de volume. Eh bien, on va pouvoir tout de même agir sur la vélocité. Alors, la vélocité, je vous rappelle, c'est la force avec laquelle on joue le son. Donc, à zéro ici, que je joue fort ou doucement, j'ai toujours la même vélocité. Si j'augmente au maximum, eh bien, si je joue doucement, j'ai une petite vélocité, un petit volume. Si je joue fort, un plus grand volume. Et je vais également pouvoir régler l'attaque de mon son. Donc là, vous voyez que mon son arrive progressivement. Donc ça retarde l'attaque et j'ai le release, le temps de relâchement. Une fois que j'ai relâché mes touches, vous voyez, elle continue de sonner. Je peux combiner ceci. Ensuite, j'ai l'amplificateur tube à lampe avec un choix de switch entre moderne et vintage. Un tone qui va définir le timbre du son. Un drive qui va rajouter du drive, la saturation. Et puis un petit equalizer pour les basses, les mids et les aigus. Assez efficace. Ici, on a le choix de la cabine, des cabinets, des haut-parleurs, Leslie ouvert, mais aussi des British 60. Et d'autres modèles. Alors chacun ont une couleur, on a même une boîte de DI, une boîte de direct. Et on peut rajouter un peu d'air. On a une reverb, soit plate à plaque, soit spring à ressort, avec le amount, le taux de reverb, et plutôt long ou courte. Là, on entend bien les plaques, là. Enfin, on a l'activation du rotor, la rotation, avec une accélération des graves, des aigus, et une balance. Vous voyez qu'avec tous ces paramètres, on peut arriver vraiment à des résultats très très intéressants. Pour terminer sur les orgues Hammond, nous avons la page Settings qui va nous permettre, alors nous l'avons vu, de par exemple au niveau de la drawbar option, de muter inactive drawbars ou de démuter. Donc ça, je vous le rappelle, si j'active mute inactive drawbars, si je joue un son, vous voyez que l'action de ma tirette ne prend pas effet en temps réel, il faut que je
rejoue le son à chaque fois. Si je décoche ceci, là j'ai en temps réel les modifications. Ça, nous l'avons vu aussi pour splitter les trois claviers. Je ne vous avais pas parlé par contre de ça, le key split. Alors, c'est par défaut en C3, mais on voyait, on peut changer cette note. Hein, je pourrais mettre en Mi4. Donc là, j'ai le clavier du bas ici jusqu'au Mi4. Et ensuite, je passe au clavier du haut. Enfin, sur la gauche, nous avons les options des contrôleurs avec le contrôleur preset. Donc, on va pouvoir avoir deux presets ici. La sustain pédale, alors il faut avoir une pédale de sustain. L'aftertouch qui va contrôler le swell. Alors, le swell, hein, je vous le rappelle, c'est le volume. On a ici et que l'on peut contrôler avec l'aftertouch. Alors il faut que votre clavier maître MIDI dispose de l'aftertouch, c'est le cas pour le mien. L'aftertouch, c'est pas la vélocité, hein, c'est pas la force avec laquelle on joue les touches, c'est qu'une fois qu'on a appuyé, eh bien on émet des pressions sur les touches, vous voyez, et c'est ce qu'on en appelle l'aftertouch. Alors, l'aftertouch pourrait contrôler la vitesse du rotor, par exemple, ou on peut le mettre aussi sur off. On a la mod wheel, la molette de modulation, qui contrôle la vitesse du rotor. Et le pitch bend, donc qui va ajuster les drawbars. Et vous voyez, on voit le rotor. Voici pour les Hammond. Alors, on va passer plus rapidement sur les deux orgues qu'il nous reste à voir, qui sont des orgues à transistor. Avec ici le transistor Continental, qui est une émulation du Vox Continental, hein, qui était rendu célèbre par exemple, le groupe des Doors, qui utilisait ce modèle-là. Alors, au niveau du principe, c'est dans l'ensemble similaire. La différence, c'est qu'il n'y a pas de troisième clavier au pied. Voilà, donc on retrouve dans la page organe les tirettes pour le clavier du haut, upper. Avec le même principe d'harmonique à l'octave, de la quinte à l'octave, et on a une fonction intéressante, c'est qu'on a un mélange ici de deux formes d'ondes qui sont la dancy et une sinusoïde. Et pareil pour le clavier lower, le clavier grave. On retrouve hein, bien entendu les presets, sélectionnables ici ou ici, le save des presets, ça c'est tout pareil. On a l'action du vibrato ici. On a les modes avec le même principe de key split, de MIDI split pour créer deux pistes MIDI et mettre un clavier par piste. On a le choix du clavier upper sur tous les tendus et lower. Alors vous voyez qu'ici on a, en fait c'est pas un troisième clavier mais on a un générateur de basse qu'on contrôle ici. On retrouve également le swell ici. Pour le amp, pareil, c'est presque la même chose que pour les Hammond, sauf que pour le rotor ici, on a le fast et slow directement ici. Avec l'accélération des graves et des aigus. Le choix des cabinets, l'air, une reverb à plaque et à ressort, longue
et rapide. Ça, on a tout vu avec les modes modernes et vintage. Et enfin, sur les settings, eh bien, on a également les mêmes principes de fonctionnement. Pour le dernier org, le transistor compact, qui est une émulation de Farfisa. Alors là, c'est un peu différent, vous allez voir. On a dans la page organe, non plus des tirettes, mais des boutons. Alors, ce bouton ici, off, on, si je le mets sur off, je vais pouvoir activer ici, vous voyez, mes harmoniques. Et en plus, elles ont des timbres. Donc là, basse, string, flûte. Voilà, donc là, je désactive tout. Je peux activer basse, hautbois, trompette, puis non, plutôt corde. Et dès que j'active ce bouton, eh bien, je vais pouvoir régler ici les switches qui sont là. Donc là, en activant maintenant ce bouton, je vais avoir accès à ces réglages ici. Avec trois harmoniques à l'octave. Et ce bouton qui permet d'avoir un booster. Mais uniquement pour les sons de droite ici. Alors vous vous souvenez, dans les orgues Hammond, on avait les tirettes avec le principe de unmute, mute sur la page des settings. Là, on n'a pas de page de settings, donc la fonction se retrouve ici, dans inactive. Vous voyez, là, je peux modifier sans avoir besoin de rejouer mon son. Que si j'active, pour entendre une modification, il faut vraiment que je rejoue mon son. Puis nous retrouvons les vibratos avec slow et fast, mais il faut l'activer ici sur on. Et puis on a une fonction light et heavy. On a une sorte de chorus, la reverb, qu'on active, désactive. Ici un réglage pour les basses. Le choix des presets et le swell. Dans la section amp, également, on retrouve les mêmes fonctions pour l'orgue avec la vélocité, l'attaque release, le tube amplifier, le choix des cabinets, hein, important aussi. Le rotor également avec sa vitesse. Fast et slow. Voici, j'espère vous avoir donné envie d'utiliser plus cette collection de vintage organs. Tu retrouves dans les commentaires de la vidéo, là juste en dessous, eh bien les liens pour créer ton compte, c'est complètement gratuit, et pouvoir accéder au téléchargement de la librairie.